Et bonjour à tous, c'est moi Micien et on se retrouve pour ce 30e épisode. Dafo est en train d'attaquer mes gars. Hop 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 hop. Fais gaffe, ce mec est dangereux. Ouais, restez pas trop par là-bas. Hein. En fait, je crois qu'il protège sa nourriture, je sais pas ce qu'il fait, mais bon, Dafo ne va pas bien. Du coup, 30e épisode, ouais, on est déjà arrivé jusqu'à 30. Ça passe vite. Et peut-être qu'on va bientôt finir le jeu, je ne sais pas, on est encore assez loin. On a pas mal de recherches à faire. Et de matériaux à collecter. Alors, dans l'épisode précédent, on avait réussi à bien se débrouiller. On avait eu des trucs intéressants. Plein de matériaux, on a vendu des choses, on a acheté plein de viande. Faudrait bientôt maintenant que les gens mettent la viande dans le congélo. D'ailleurs, le congélo est à 9 degrés, donc ça va pas. Il faut mettre la clim. Mais où est la clim? Je pensais avoir une clim, en fait, non. Ça, c'est un congélo aussi. Bon, déjà, ouais, ça va, ils ont mis de la nourriture, un petit peu. Alors. Pause. Ça, on va le copier, ici. Voilà, je vais avoir un ventilo là. Ça, je vais le détruire, et je vais mettre une clim à la place. Pour mettre un peu de frais. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a. Déjà, les corps ont été enfermés dans cette pièce. Des colons se joignent à vous. Des cochons. Un groupe de cochons abandonnés ou perdus errent dans la zone. Sérieux, ils sont où? Ah ouais! Trop bien! Ils sont à moi? Waouh! Sérieux? J'ai trois cochons! Trois cochons! C'est trop cool! Moi qui avais besoin de nourriture. Allez, allez avec les Ibex. Ça c'est génial. Un animal fou. Un lièvre local est devenu fou. Wow! Il arrive. Heureusement, mes amis vont me défendre. Oula. Qui c'est qui a tiré? C'est la tourelle? Faut pas blesser les mecs, hein. Attention. Donc voilà, le lièvre est là. Est-ce qu'ils vont le manger ou quelqu'un peut le récupérer? Je sais pas ce qu'ils font, ils sont tous autour. Qui c'est qui dort pas? Tommy. Il coupe un arbre. Non mais c'est pas grave. Oublie, on a acheté du bois. Va ramasser... Oh, il y a un mec ici. Transporte le lièvre dans le congélo. Toi, t'es qui? Hiroko. Il est frais. Oh, une massue en plastique d'acier. Ça, c'est bien, par contre. Alors. Bon, là, tout le monde est un peu en train de dormir. Duster, il est toujours ici alors qu'il est mort. Je comprends pas. On peut pas l'enlever de la liste. Faudrait que je le mette dans le truc qui brûle les cadavres. Que je n'ai pas encore fait. Ou dans un sarcophage, remarque. Ce sarcophage est pas... Il est vide. Au feu. Oh non! Mes fraises. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, il y a un câble électrique qui a pété. Dans les plantations. Super. Alors, qui c'est qui peut éteindre le feu? Tommy, Dafo, Jess, John est en train de fuir. Je sais pas ce qu'il fait. Allez, venez tous éteindre le feu, je m'en fous de ce que vous faites. Parce que si ça se répand dans toutes les plantations, on va être assez mal. Et ça va refaire comme les épisodes précédents. Allez, allez, allez. On éteint tout. Et brûlez pas, par contre. Eh, John, tu repars pas? Tu viens aider. C'est vrai qu'on peut pas, il y a pas de... Ça va être compliqué à tout éteindre, quoi. Oh là là. Oh non, mais là... Ça brûle trop. Pourquoi ça a explosé ici? Je suis sûr qu'il s'est fait exprès. Regardez les plantations, elles sont presque prêtes. Et pourquoi j'arrive plus à le bouger lui? Enrôler.
J'arrive pas à le contrôler. Bon bah tant pis, venez tous là, on peut pas. Ça brûle partout. Toi, je sais pas ce que tu fais. Ah non, mais ça va arriver devant là. Bon bah Zamora, désolé. J'aurais voulu l'aider mais on pouvait pas la bouger, le feu est devant. Non mais va pas l'aider toi. Et lui qui dort ici. Oh là. Bon bah y'a plus qu'à regarder et puis voilà. Ils vont tout replanter hein, tant pis. Ça prend feu partout en fait. Abattu. Je comprends rien, c'est la chaleur. Ouah, il fait 580 degrés. Ah ouais quand même. Bah barrez-vous de là. Mais comment on peut faire? Là il y a tout qui va flamber. Malvina. Tu peux pas détruire un truc là? Voilà, détruis vite ce mur. Pour que la température baisse. Et lui qui est resté juste pile à la porte quoi. Bon bah j'ai dit que tout allait bien, bah... Je crois que non. Voilà, tout est en train de péter. Tout notre grande plantation. Je pense que Zamora est mort. Tommy... Bon. Écoutez, je réfléchis. Je pense que je vais charger ma sauvegarde parce que là, c'est pas possible. Heureusement, j'ai enregistré pile avant de tourner l'épisode. On va déterrer le câble et le faire contourner les plantations. C'était le cas avant, mais vu que j'avais étendu, voilà. Donc, pour faire ça... Détruire. Hop là. Détruire. Ça passe jusque là. Ok. C'est après par contre... Ah ouais, ça vient d'ici le... Ah, c'est compliqué. Hein. Il faudrait revoir en fait tout le système électrique là. Parce que ça ne va pas. Le problème c'est qu'on a plus trop de fer. Ça va. En plus, ça va enlever toutes les lampes. Bon. Je sais pas trop comment faire. Mais je pense qu'il faut le faire. Hein. Allez, tant pis. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Donc, tout ça, on va enlever. On va laisser ça ici. Ça, c'est bon. Là, il y a un câble qui tirait ici. Les tourelles sont là. Par contre, c'est vrai que si on va alimenter ça, ça va être compliqué. Ouais, on peut pas vraiment, en fait... comment on peut faire? La portée d'un câble, c'est quoi? Ils disent pas. Si je le mets dans le mur, est-ce qu'il peut alimenter la lampe? Parce que la lampe aussi peut exploser, donc du coup... à mon avis, tant pis, il faut laisser le hasard. Bon, tant pis. Hein. Je pense qu'on peut rien y faire. Par contre, je sais qu'il y a peut-être des systèmes anti-incendie. Dans la sécurité ou autre chose. Équipement. Ou c'est dans la recherche. Pompe à eau. Non. Extinction automatique d'incendie. Ah, ça c'est pas mal. Ce sera notre prochaine recherche. Alors en espérant du coup que ça explose pas.
parce que j'ai chargé la partie. Normalement, ça devrait pas faire pareil. On va voir. Alors, du coup, Tommy. Il y avait quelqu'un qui devait faire quelque chose. Je sais plus ce que c'était. Bon, on avait enlevé la massue là. Dafo, lui, est toujours pas bien. Ah oui, voilà, il y avait ça aussi à faire. Copie. Tac. Ça, détruire. Lui, il faudrait l'évacuer. Refaire des portes. Maladie grave pour King. Malnutrition extrême. Samora peut-être. Il faudrait nourrir King. Il va mal. Et peut-être le soigner du coup. John est accroupi. Alors John, tu vas pas très bien, on va te reposer. Déjà, ceux qui vont pas bien, faudrait qu'ils soient reposés. Alors Duster, ça serait bien qu'on le mette là-dedans. Affecter un colon. Duster. Ok, je vais ouvrir la porte. J'espère que personne ne va y aller d'un coup comme ça. Tommy, tu coupes le pain. Non. Je voudrais que tu enterres Duster. Alors, ensuite, il y a quoi d'autre à faire? Lio, il va mal. Et il a peur de bien se soigner. Donc Lio, il faudrait que tu ailles dans ce lit. Lio est inapte au service. Ah, zut. C'est quelque chose qu'on peut faire pour lui. C'est l'été. L'été vient de commencer, mais l'hiver arrive. Vos cultures seront difficiles avec le froid de l'hiver. Assurez-vous de stocker des réserves de nourriture. Ok. D'accord, bon, c'était juste un truc pour prévenir. Ah, on avait des cochons aussi. Eh oui, vu qu'on a rechargé la sauvegarde, il n'y a plus de cochons. C'était un mal pour un bien, mais je préfère qu'il n'y ait pas de cochons et qu'il n'y ait pas de feu. Ça sera beaucoup mieux. On avait coupé des chauffages. Ouais, ça c'était bon, c'était dans l'épisode précédent. Alors, Tommy va enterrer Duster. Il va peut-être disparaître de cette liste, ça serait bien. Est-ce qu'il va avoir un bonus dans la santé ? Pour avoir enterré son ami. Ouais, c'est bon, il a 8. Duster est toujours là. Bon, je sais pas pourquoi. Mais je peux pas le sélectionner. Bon, étrange. La porte engrais, hop, je la ferme. C'est vrai qu'il est toujours dans la liste. Hein. Pourtant, il est là, enterré. Faut vraiment peut-être l'incinérer, je sais pas. Bon, là tout le monde dort, je vais accélérer un petit peu, c'est une heure du mat. Les ours, je sais pas, ils ont l'air un peu affamés quand même. Ah non, ça va, nourriture. Ben, je sais pas ce qu'ils mangent, mais... Bon. Et eux, ils sont en train de manger des trucs. Bon, ça va, tant qu'ils mangent pas mes réserves. En même temps, il faudrait aller les ranger. Et je sais qu'il y avait d'autres personnes. Ou alors c'était dans cet épisode... c'était avant la sauvegarde aussi, peut-être. Non, non, c'était à dernier épisode, il y avait des gens qui venaient. Mais je sais pas où ils sont. Je vois personne d'autre. King Blaster n'est plus incapable de marcher. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est bon, Duster a disparu de la liste. Ok. Alors, Dafo, il est où? Il a l'air d'aller bien. On va veiller à sa santé. Qu'est-ce qui va mal chez toi? Mon ami est mort, prisonnier innocent mort, claustrophobie. Je suis coincé ici, mais il est où? Non, mais ça va, c'est ta petite pièce. Bon. Ah ouais, il y a ça aussi à résoudre. Il faudrait résoudre ce problème. En fait, il faudrait mettre un mur et ouvrir. Ok, ils partent, bon, c'est bon. J'avais acheté ce que je voulais. Donc faudrait qu'on fasse ça et qu'on ouvre direct après. Ah non, on devait, hop, on devait faire un... Voilà, c'est ça que je voulais faire, un toit.
Élargir la zone des toits. Bon, elle y est. Par contre, je vois de la lumière ici. C'est qui s'en occupe? Constructeur, c'est l'IO qui est en mauvais état. Ah ouais, mais l'IO, faut vraiment que tu te réveilles. Bon, sinon c'est John. John n'est pas constructeur, bah si. Ah non, j'ai du mal voir. C'est où constructeur? Ici. Pilar. Construis un toit. Voilà, je sais pas ce qu'il faisait, mais au moins il va construire un toit. Alors, il faudrait quelqu'un qui puisse amener ça aussi. Malvina, transporte. Bon, là, ça a l'air de pousser. Je voulais faire une autre culture hydroponique. Bon, ça va, ça consomme, ça produit bien d'énergie. Au niveau des tissus, on en a peut-être pas mal. 104, est-ce qu'on peut faire d'autres tissus? Je crois que c'est ça, tapis crème. D'accord, bon, les gens vont venir le construire quand ça sera bon. Et après, il y a pas mal de trucs à nettoyer aussi, je sais pas qui c'est qui s'en occupe de ça. Ils ont toujours faim. Nettoyage. C'est Zamora. Et Zamora est en train de manger. Bon, après, c'est son truc numéro 1, je crois. Ah non, il y a geôlier et dresseur. Donc, ouais, mais elle devrait nettoyer là. Je vais vous faire à cheval. D'accord, super. Il faut que tu nettoies. Alors, on va aller voir dans tes restrictions. Zamora. J'aimerais que tu travailles la journée entre 7h et 15h. Voilà. Ça évite qu'elle fasse autre chose. Au moins. Donc ça va à peu près. Malvina, relaxation sociale. Dessus, transporte ça. Après le reste, ça va. Pilar donne à manger aux ours, ok. Ah, il le dresse, ça c'est bien. On en est où de l'entraînement? Obéissance. Il va se faire dévorer. Non, mais normalement les ours sont dressés, donc ça devrait aller. Domptage échoué. Ah, c'est bien, Jazz cuisine. C'est revenu à la normale. Mais la nourriture manque toujours un petit peu. Il n'y a plus de nourriture là. Il reste que ça. Ah, il y en a 40, ouais. Ça va quand même. Bon, après, eux, c'est... Ils se sont accouplés. Alors, ça c'est quoi? Ah oui, il faut faire des nouveaux vêtements pour ces gens. Un chasseur n'a pas d'armes. Pilar. Équipe-toi de... Ça, le fusil à pompe. C'est ça, on utilise un bouclier. Ah, c'est Pilar. Hop. Voilà. Ça va, on a un peu moins de choses, de notifs, là. Vague psychique apaisante. Ah, c'est bien ça. Ils vont être de bonne humeur. Bon, ben j'en profite pour sauvegarder, du coup. Voilà. Bon, ça se passe plutôt bien. On va revenir un peu sur la nourriture. Je pense que ça pousse. Il n'y a pas de truc à 100%, mais ça devrait pas tarder. Les plants de coton aussi, et les racines de vie. Là, c'est en train de rattraper. Bon, il y a juste à attendre. Il y a beaucoup de choses à transporter aussi. Pour ça, il faudrait voir la zone de la Paz. Ouais, ça va, ça prend bien ça en compte. Ah, pas besoin d'aller aussi loin. Je regarde là où il y a des objets. Là, ça serait bien que vous nettoyiez. Donc, je mets dedans. Voilà, ça fait partie de la base, puisqu'il y a les bêtes. Ok, c'est bon. Alors, gravat ardoise. Ah bah tout le monde est à peu près
en bonne posture. Lio, je sais pas trop ce qu'il a. Ah ouais, il faut vraiment qu'il se repose lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues ou non? Va te reposer. Ok, le mec est en train de faire la porte, ça c'est cool. Ah bah il s'est arrêté. Tu peux finir ça s'il te plaît? Là ça se construit. Zamora nettoie, ah bah voilà. Bon, ça se passe à peu près bien. Là c'est rempli, les batteries, donc on va... désactiver cet interrupteur. Ouais. Bon, le reste a l'air d'aller. Ah, ils sont en train de récolter les plants de coton. Donc, on va pouvoir finir de mettre le sol et ensuite on fera des habits. Ah, Dafo a bientôt fini la recherche sur les bases de construction du vaisseau. Ouais, voilà, il a fini. Écran de recherche. Pause. Alors, ça nous a permis de débloquer pas mal de choses, notamment toutes ces choses-là. Noyau central propulsion antimatière. C'est des recherches très longues. Alors, ce que je veux faire à tout prix maintenant, c'est un truc extinction automatique d'incendie. Parce que voilà. Alors, il y a d'autres choses peut-être aussi après. Atelier d'assemblage de composants. Composants à partir d'acier. Je regarde pour pouvoir désassembler les mechas qui sont ici. Là et un là. Arbre multicanon, c'est pas mal aussi. Armure énergétique, tir chargé. Ouais, bon. Alors, c'est moniteur de signes vitaux. D'accord. Ah voilà, four crématoire, c'est pas mal aussi. Pour incinérer les corps. Je sais pas si ça peut servir. Pour l'instant, on en a pas trop. Bah ouais, ils ont tout mangé, donc. Extinction automatique d'incendie. Hop, tu vas faire ça. Bon, ça se passe à peu près bien. Normalement, on n'a pas besoin de faire plus de nourriture. Je pense que là, ça va. Au niveau des ressources, l'acier, on en a 124, c'est à peu près bon. Le bois, 118. Ils ont besoin aussi de composants, on en a 12. Même 16. Donc ça va. Eux ils ont un petit problème. On a plus de trucs rouges, ça c'est cool. Alors, ça c'est en cours de traitement. Ça, faudrait qu'on s'en occupe. En fait, toutes ces personnes, elles ont des habits usés, je crois que c'est ça. Si je vois ici, voilà, on a par exemple une veste renforcée à 23%. C'est usé quand c'est inférieur à 50%. Donc là par exemple, pour Zamora, est-ce qu'il est dans la liste? Je pense. Ouais, elle est dans la liste. Il faut juste qu'elle enlève sa veste renforcée. Voilà. Est-ce qu'elle y est toujours? Voilà, elle y est plus. Donc ça c'est bien. Ok, ils sont en train de se soigner. Dafo il transporte du plastacier. Mais où c'est qu'il a trouvé ça lui? Le mec il trouve du plastacier comme ça, tranquille. Ça, est-ce que je le réarme? Armement automatique. Armer le piège. Bizarre. Alors, il y a plein de trucs ici aussi, des débris de morceaux d'acier. Je crois que ça se met là-dedans. Ah, on a un problème de... Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique une parka. Pourquoi il n'y a plus d'énergie ici? Je sais pas. Ça vient d'où en fait? C'est vrai qu'il y a un câble, mais je sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient né de là? C'est bizarre. Ah oui, voilà, en fait c'est en coupant ça, d'accord. Sauf que c'est la ventilation que je veux détruire, pas le câble. Il faut vraiment que quelqu'un vienne le faire à tout prix, tout de suite. Constructeur. Lio. Ah ouais, mais Lio est en train de dormir. Malvina.
Consomme plat simple. Transporte tissu. Ah ben voilà, Pilar le fait, parfait. Alors je sais pas s'il construit ou s'il détruit. Il a détruit. Ah, et là il est en train de construire. Ah ben voilà, parfait, ça réalimente les machines. Et là on va faire une clim. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas construit un truc là-dedans. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le diptéril. Mais ça demande beaucoup d'énergie, ça. Ok, t'as mis l'assemblage, blablabla. Donc, on voulait un truc d'électricité, énergie. Une de climatisation, c'est où? Température, peut-être. Climatiseur. Le froid de ce côté. Voilà, il va le fabriquer. Ça va, c'est assez rapide. Bon, ça, ils l'ont pas encore fait. Alors, l'IO est en train de se reposer. J'espère qu'il va guérir. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de raid, donc je pense que ça va pas tarder ça aussi. Qui est le transporteur? Malvina. Qui nettoie aussi, Malvina. Bon, elle est en train de transporter, parce qu'il y a pas mal de choses à transporter quand même. Là, il y a du bois, d'accord. Bon, je pense que ça va se faire au fur et à mesure. Un buisson. Et eux, à chaque fois, ils viennent ici, les chiens. Je sais pas très bien ça. Animaux. Les chiens, ils sont dans Loup des Bois. Ah, je leur ai permis de rentrer, en fait. Sans doute pour manger. C'est pas très bien. Comment je pourrais faire? Il faudrait leur mettre aussi des croquettes. Donc, on va aller dans les zones. Supprimer une zone pour les loups. Hop, vous restez que là. Voilà. Ah, qu'est-ce que fait lui? Il récupère. Il répare le sac de sable, ok. Bon. Ça va, ça avance. Alors, on a pas mal de. Est-ce qu'on a des débris de fer? Non. Alors j'aimerais voir comment on désassemble les mechas. Est-ce que c'est dans le fondeur électrique? Est-ce que des armes extraites du métal? Non. Établi de forgeron peut-être? Non plus. Établi d'assemblage. Désassembler le corps d'un mécanoïde. Voilà, faudrait que qu'il le fasse deux fois. Bon, on remanque de nourriture. Il y avait quelqu'un qui devait s'occuper de ça. Alors, je sais plus qui c'était. Ah, l'IO est soigné. Tant mieux. Il va pouvoir construire. Bon, après là, c'est quelle heure? Minuit. Ah bon, je pense qu'ils vont dormir. Je vais accélérer un petit peu. Alors j'avais une idée de projet. J'aimerais bien envoyer, on va dire, deux personnes, ou trois, on va dire deux, complètement à l'opposé, ici. Pour qu'en fait, ils réparent ça, qu'ils se fassent une mini-base, un endroit où ils vont rester, ils vont faire juste des petites cultures, ils vont générer de l'énergie avec le geyser. Et après, ça leur permettra du coup de rester à peu près dans cette zone, d'avoir deux bases un peu distantes. Mais c'est surtout pour générer de l'électricité et pour mettre en place ça, le diptéril. Ici, et au moins on verra un peu ce qui se passe. Bon, je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Là, c'est quasiment fini, je vais voir combien de temps on est. Ouais, ben voilà, on arrive à 30 minutes. Bon, ben je pense que c'est à peu près bon. Ah, là, c'est en train de pourrir. Ben oui, forcément, il y a plus. Il fait trop chaud à l'extérieur. Bon, je sais pas comment on va faire. Faudra peut-être faire l'incinérateur à un moment. Du coup, là, ils ont complètement tout construit, sauf un petit endroit.
Comment on fait déjà? Ordre. C'est dans sol. Il faut d'abord enlever, aplanir le sol. C'est fait. Et tapis crème. Voilà. Là c'est fait. Je sais pas ce qu'il y a ici. Non, c'est juste que c'est sombre. Ok. Bon, mais j'espère que cet épisode vous a plu. On va un peu faire des nouveaux projets, essayer de construire de nouvelles choses dans l'épisode 31. Du coup, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et il faudra pas oublier de faire une nouvelle chambre, parce qu'il n'y a pas assez de lits. Ils sont 8. Sachant qu'il y a un prisonnier, deux prisonniers. Ça fait beaucoup de prisonniers quand même. Lui qui est mort. Bon, bref. On se retrouve très vite pour l'épisode 31. Bye bye. We'll be right back.